Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Québec. Aujourd'hui, je vais vous faire tirer un beau paquet de prix gracieuseté du Mont-Saint-Anne. Ce mois-ci, je vais vous faire tirer quasiment 1 000 $ de stock pour plusieurs petites occasions, vous allez voir. La première, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va être un petit concours, donc vous et moi ensemble. Qu'est-ce que je vais organiser? C'est pas compliqué. Si vous ne connaissez pas les journées 4 à 7 du Mont-Saint-Anne, qu'est-ce que c'est en gros? C'est qu'après une journée de chaise normale, le Mont-Saint-Anne, quelquefois dans l'année, va garder la gondole ouverte de 4 h à 7 h, donc un petit bloc de bike supplémentaire. Souvent pour l'occasion, on va avoir un ben sur place, on prend une bière, on prend une petite bouffe ensemble, c'est super le fun, on a de l'animation. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire des journées de bike qui sont plus longues. Alors, je vous dis dans un instant qu'est-ce que vous allez gagner, mais pour ce qui est des règlements du concours, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir à 10 h le matin et je vais rouler jusqu'à 19 h le soir. Donc, c'est une bonne journée de bike de mon côté. C'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Je risque d'être très toasté et la bière risque d'être très bonne, mais ça, c'est mon problème. Faites-vous-en pas avec ça. Les règlements du concours. Je commence à 10, je termine à 19 h. J'essaie de faire le plus de descentes possible. Ça ne sera pas une course, on s'entend. Je vais vous dire, mon but, c'est pas de donner 4 coups de pédale de plus, puis de me blesser, puis de manquer ma journée. On va essayer de faire le plus de descentes possible. Le lap que je vais faire, ça va être la Vietnam avec quelques petites modifications de baptême si ça m'intéresse. Donc, on laisse de côté le secteur enduro qui sont des laps un peu plus longs à faire et on laisse de côté les doubles noirs qui sont quand même demandantes physiquement. Le pourquoi que j'ai choisi la Vietnam, c'est que c'est pas mal le meilleur, disons, rapport qualité-prix en termes de vitesse et en termes de distance qu'on fait. C'est pas mal elle qui permet de faire le plus de laps possible dans une journée sans trop se fatiguer, disons. Donc, ça va être la Vietnam. Des fois, je vais peut-être prendre une petite boucle baptême et revenir dans la Vietnam, mais c'est à peu près la même longueur en termes de kilomètres et en termes de temps pour peu importe qu'est-ce que je vais faire dans ce petit secteur-là. Alors, ce que vous avez à faire, vous allez premièrement liker ce post. Allez suivre la page Facebook du Mont-Saint-Anne au petit lien dans la description. Suivre la page YouTube de Fleurette Québec dans le petit lien dans la description. Et qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me dire dans les commentaires combien de laps vous pensez que je suis capable de faire dans une journée. 5, 10, 15, 20 peut-être. Premièrement, j'ai aucune idée moi-même combien que je vais en faire, puis je vais être vraiment toasté comme je vous dis. Si vous voulez un petit indice, des fois, allez me suivre sur Strava, JP Freeride Québec. J'ai fait beaucoup de journées complètes de Mont-Saint-Anne. Ça peut vous donner une bonne petite partance sur combien je peux en faire dans une journée. Alors, pour ce qui est de qu'est-ce que vous allez gagner, c'est un foutu beau prix gracieuseté du Mont-Saint-Anne. Un gros merci à Montagne pour vrai de participer dans ce petit concours le fun-là. Le Mont-Saint-Anne, pour le grand ou la grande gagnante, va remettre une paire de billets d'EDH pour la remontée en gondole, évidemment. Ils vont vous remettre un certificat cadeau de 100 $ chez Montego. Ils vont vous offrir un petit bundle de prix de chez Dakine, incluant entre autres un sac de taille, une paire de gants, une paire de bas, un portefeuille. Il y a même aussi quelques petites affaires. Vous allez avoir une casquette, un mash guard pour mettre sur votre bike. Fait un beau bundle de prix, évidemment, avec la paire de billets de DH. C'est une valeur totale de 450 $. Donc, un immense merci à Amélie Pussière et au Mont-Saint-Anne de participer à ces beaux petits concours-là. Vous savez, ça fait longtemps que je roule le Mont-Saint-Anne. J'adore la montagne. Et c'est le fun d'avoir des beaux petits partenariats comme ça avec la montagne. Donc, 450 $ de prix. Vous me dites combien de descentes vous pensez que je fais dans les commentaires. S'il y a plus qu'une personne ou deux qui a la même réponse, je vais comme choisir au hasard la personne qui gagne. Donc, bonne chance à tous et à toutes. De mon côté, je vais faire ma journée le vendredi prochain. Je vous indique qui a gagné. Si moi, cette journée-là, on remet ça au vendredi suivant. C'est les deux dernières journées 4 à 7 de l'année. Évidemment, je vous invite à venir faire un petit tour, venir faire quelques laps en soirée avec nous autres, venir prendre une petite bière, voir un ben sur place. Ça va être super le fun.